Bonjour tout le monde, bienvenue sur Point Avenir, mes ses amis, nous sommes ici, c'est là, aujourd'hui, à me porter une vidéo pour nous dire un monde extraordinaire, que moi-même, dit que je ne peux pas passer sur le monde, ça, sans me pas faire nous faire connaissance ensemble avec lui. C'est un milliardaire africain, un milliardaire camerounais qui relève Thierry Niamen. Et après, résumer vidéo à sous plusieurs points. Premier point, que nous pouvons passer sur intelligence, monsieur, parce que monsieur, c'est un type qui est vraiment intelligent. Et, nous pouvons prouver non ça la façon que Miss était arrivé à décrocher bourse d'études pour étudier dans le pays la Russie. Ça ne pas parler en pile en allant vidéo nous parce que c'est vidéo nous venons regarder aujourd'hui. Alors quand il y a eu la bourse de l'Union soviétique, on a cité des spécialités et j'ai rempli la fiche sans mettre la filière parce que pour moi l'essentiel c'était de sortir. Alors j'ai attendu le vendredi, le jour où il y avait l'affiche, je suis arrivé au ministère, à la porte 607, je crois que c'était cette porte-là, et j'ai demandé à la dame, elle me dit, votre dossier est prêt, c'est le dernier jour, faites vite, hein, parce qu'on va clôturer. J'ai dit, oui madame, mon dossier est prêt depuis des 2 semaines, mais je voudrais, j'ai un problème pour ma spécialité. Elle dit, mais ce que vous voulez être quoi? J'ai dit, non, je ne veux pas être quoi, montrez-moi le tas, là où il y avait moins de postulants. Et dans cette optique, je savais que avec moins de postulants, avec ma moyenne, je devrais être parmi les prisés. Elle a regardé le tas, elle a dit, va alors tu regardes les tas. J'ai regardé dans les tas et là où il y avait mécanisation agricole, le tas était très petit. Donc tout le monde avait choisi médecine vétérinaire, il y avait un grand lot, médecine générale, dentiste, pharmacien. Donc toutes ces filières qui étaient entrepreneurs brisés, il y avait tellement de demandes. Et mon astuce était d'aller là où il y a moins de concurrence. Et quand j'ai choisi ce tas, j'ai rempli ce jour-là. Et si on repart même sur cette fiche, je l'avais rempli au bic bleu, pourtant ma fiche était au bic noir. Finalement, sa stratégie s'avérera payante. En juillet 1990, son nom figure parmi les étudiants camerounais retenus pour bénéficier de la bourse en Union soviétique. Eh ouais, nous tournons pour une partie sur le deuxième point qui me trouvait qui est vraiment intéressant encore, qui c'est façon mais c'est bataille. Là, il finit jeune bourse là, qu'on y a, puisqu'il sort sinon en famille pauvre, qui pas de moyens, là, il finit jeune bourse là, faut manger, faut boire. Faut fonctionner dans le pays qu'on parle étudier. J'ai mis c'est arrivé, mis c'est vendre pépé, li lave assiette, mis c'est faire toute qualité de travail juste pour être capable d'étudier, pour être capable de réussir carrière. Alors, c'était une bourse de coopération où qui était la moitié venait du Cameroun et la moitié venait de l'Union soviétique. Maintenant, cette bourse était dérisoire par rapport à ce qui devrait être, mais on pouvait. C'était 250 000 par an, donc environ 20 000 francs CFA par mois. Pendant qu'on donnait 100 000 francs par mois aux étudiants boursiers camerounais en Europe. En bon battant, Thierry Niamen se rabat dans le commerce et vend désormais les habits et même des sous-vêtements. Homme à tout faire, il n'hésite pas à faire la plonge pour boucler ses fins de mois. J'avais la possibilité aussi d'aller en, comment vous appelez ça, d'aller en Europe pour faire des jobs. Donc j'étais plongeur à Marseille. Donc j'allais laver les assiettes sous le nom de Victor. Ouais, parce que automatiquement avec mon nom, je n'avais pas le droit de travailler avec un papier. Donc c'était sous le nom de Victor que j'étais plongeur. Et je lavais tellement bien les assiettes qu'après j'étais adjoint au chef cuisinier. N'a pas sous troisième point et là et dans moment ça de l'eau vraiment te sorti dans zim les misé Jean-Michel a dit l'elle fini étudier misé voye 1500 CV. Oui, imaginez pareil ça, misé déposé 1500 CV, il va une réponse yon même. Est-ce que vous imaginez pareil ça? Et puis misé tellement son un vrai combattant, misé choisi, misé te même choisi à le vendre dans marché. Pour qu'on ait fini d'étudier, là, le vent sauce poids, nos marchés. Mais vous écrivez, vous vous rendez compte que vous êtes à 750, puisque c'est avec un ordinateur, donc vous écrivez, vous voyez la liste de ceux, des expéditeurs.
Mais personne n'a répondu. C'est ça la magie même de tout ça. Mais répondez-moi au moins, dites-moi que non. Les 50 dernières demandes d'emploi, j'ai dû écrire même que je veux travailler gratuitement. Mais il y a un qui m'a répondu à partir d'Abidjan, l'ancien directeur de l'IRAD. Il m'a dit plutôt qu'il admire ma persévérance, mais qu'il n'y a pas de place pour l'IRAD, mais de continuer à rechercher. Parce qu'il paraît qu'en 2 ans, on l'a envoyé dans quatre services. Je crois qu'il est parti de la mat génie ou n'importe où là. Et partout là où on voulait l'ingénieur, il retrouvait ma demande. Et quand il retrouve ma demande, donc je pense que ça l'amusait même, j'étais devenu un griot pour lui. Bon, c'est ça notre pays. Pour moi, ce n'était pas l'occasion de baisser les bras. Le temps passe et il finit par comprendre que s'il doit s'en sortir, ce ne sera uniquement que par ses propres moyens. Et cela passera par l'entrepreneuriat. Goûter, ne payez même pas. C'était ici. À l'époque, on prépare la bouillon, on vient ici, on dit que goûter même. Déguster. Hein? Ça les étonnait que je continue à vendre ma... Je vendais ma bouillie. Non, il n'y avait aucun. Je vendais... J'étais fier. Mais il y avait un point là-bas. What est où? What est où? Mon voisin, c'est Watt, parce qu'il faisait d'abord le riz et la sauce d'arachide. Parce que le début même, c'était pas la bouillie. C'était du riz et la sauce. Riz, sauce d'arachide. Et le plat, c'était 100 francs. Et la sauce était gratuite. Après, quand oui, on donne, et les gens allaient acheter du riz quelque part, venaient prendre la sauce gratuite ici. Et là, c'était la faillite qui était claire, parce que partager dans un marché, c'est la mort. Donc, ce n'était pas possible. Mais avec ça, après, je suis revenu avec la bouillie dans mon secteur. Après, c'est les hôtesses qui ont continué. Mais je reviens par un moment, comme vous voyez là, juste pour prendre cette chaleur qui me manque. Ouais, bon, Thierry, ça fait peut-être au moins plus de 15 ans que je connais Thierry. Il a commencé avec nous ici au Goudron, précisément juste là à côté. Dans le départ, c'était avec du riz, avec de la sauce d'arachide. Ouais, il le faisait sur place, dans une petite caisse où il disposait et il servait à tout le monde. C'est la sauce d'arachide, elle était bien lourde. Bref, elle était superbe. Là, nous trouvons un point qui est plus important. Qui parle de nos raisons qui fait misser lancer dans les affaires entrepreneuriales. Son j'aime te dire, nous tous entrepreneurs qui ont un point en commun, qui toujours, soit en frustration ou bien un problème, ils trouvent dans la communauté et ils choisissent de résoudre le problème, qui mène dans le succès. Je vais tout profiter pour nos amis qui te disent, mettez dans la petite vidéo, dans qui business ou et investir pour ne pas perdre l'argent. Les amis ont dit, je parle de moralité, je parle de. Qui ça te dit encore? Je vais songer. Map dou zami, sou tap ten pou mte dou sou al van patat, al van viande, al van pepe, al fon de pou kola, al fe jan de bagay sa ou, map dou vraiment trompe, parce que mte gen dou a dou al fe ou, et puis pa bon succès, si vraiment sa ou, se pa, yo pa repon a besoin communauté ou a vivre la. Par exemple, gen dou a dou, tal fon de pou kola, et puis communauté a pa gi problème kola. Ou comprenez, ou bien m'te gendou a dou al van pepe, communauté a pas de problème rad. C'est juste, vidéo m'te fait assez juste pour éclairer ou pour aider au penser, pour aider au penser à ouais qui j'en ka lancé ou dans un affaire entrepreneuriat. Et m'a prêté trop sous ça, m'pense que gen pile nan nou ki te ouais, idée que m'te vle partager dans vidéo a bien que zanmi a pas tout tout. Et l'autre monde qui pas tout tout, m'tou profite, fè nou réponse dans vidéo ça, pour m'di nou raison qui fait m'te fait approche moi comme ça. On continue. Pour la première fois, mais c'était à la suite d'une déception. C'est-à-dire que je fais 7 ans en Union soviétique sans manger la bonne sauce d'arachide que j'aime bien. Et je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide. Quand je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide, elle grille les arachides, arrive au moulin, il y a coupé de courant. Alors qu'il y avait un ami qui attendait cette pâte d'arachide venant du Cameroun. Donc je suis quitté de Kharkov, ma ville là où j'étais, pour Kiev, pour prendre la pâte. Mais arrivé là-bas, mon ami me dit, mais la pâte n'est pas arrivée. Maman n'était pas à l'aéroport. Je dis non, c'est pas possible puisque j'ai eu maman le matin. Maman me dit, elle a grillé les arachides, arrivé au moulin, elle a coupé le courant. Mais j'étais fou parce que j'avais dépensé trop d'argent et je me demandais,
À quoi servait un doctorat si je suis incapable de faire la, si on est incapable de faire la pâte d'arachide, alors le déclic se crée dans ma tête de dire, faut que je rentre au Cameroun faire la pâte d'arachide. Mais je peux vous assurer que je ne commence pas la pâte, je veux produire la pâte, mais les amis commencent à me décourager en me disant que la pâte d'arachide c'est trop gras, les Camerounais n'aiment pas, c'est mieux de faire quelque chose light. On commence à me parler des nouveaux concepts importés d'Europe et je décide de faire la poudre d'arachide. Donc la farine d'arachide est un produit qui était conçu à ce moment uniquement par le Pentagone. Donc il me fallait inventer une machine qui fait la poudre d'arachide pour faire les sauces en quelques minutes sans effort. Donc voilà là où naît ce projet et je décide de rentrer au pays avec ma machine que j'avais inventée là-bas pour faire la poudre d'arachide. Mais dès que je suis arrivé à l'aéroport, ma mère m'a demandé, elle a compris qu'elle était rentrée définitivement. Elle me demande qu'est-ce que tu es venu faire. Il dit non, j'ai inventé la machine pour faire la poudre d'arachide. Elle m'a dit espèce de rancunier. Donc c'est toujours cette histoire de pâte d'arachide qui te hante jusqu'à ce que tu es obligé d'abandonner l'Europe pour venir dans la poubelle. Il dit maman, bon, le choix est fait, le billet d'avion a été acheté. Un seul sens. La fameuse machine qui a été inventée, sortie de l'Union soviétique. Quand j'étais étudiant. Oui, bah, ça c'est la première machine, c'est la machine mère. C'est une extrudeuse capable de produire une tonne d'arachide par jour. Une personne aux commandes et avait une productivité de près de 78% en termes d'huile. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'âme de Kriya même. L'âme de Kriya même. Pour Jean Missé, Missé prouvé que le fort, Missé prouvé que le fort. Et Missé fort vrai, Missé qu'on force sur lui, qui est de le surmonter toutes difficultés. Parce que là, après ça, Missé montre toutes gens, toutes difficultés le passé. Zami qui t'a découragé, et famille qui t'a découragé, monde qui vole le produit, l'autre entrepreneur qui gagne business, on en zone nan, qui t'a fermé, monsieur. Ou bon, Missé Goumen créé place li, que son moun senti qui gagne plus courage, qui gagne plus force, et place côté li a, li vraiment mérité ça. Ou bon, ou même qui a Haïti qui a dit que l'autre moun pas bon passé, gagne 5 familles qui prend toute richesse pays a, li pas bon passé. M'abdou ça, entrepreneur qui la sous place, ou pas bien bon passé, pas bien bon place, parce que ou même yon besoin marché a. Yon besoin couvre tout marché a. C'est ou même qui vle venir pour venir avec l'autre idée. Qui doit venir avec innovation pour être comme capable créer place ou petit pour soit élargir soit imposer parce que tout le monde sait qu'on ça a commencé. On ne peut pas parler en pile. Tomber de la tête parce que imaginez-vous quelqu'un qui a laissé j'avais des propositions de boulot hors du pays mais je rentre et je me retrouve il faut bien la voiture est non climatisée, il fait très chaud. Au Cameroun, je sors d'un pays où il ne faisait que, où j'étais à moins 30 degrés. J'entre dans la chaleur. Je suis incompris par mes propres compatriotes. Les amis me font des propositions de boulot, va un peu demander le travail quelque part. Donc, je sentais qu'il y avait cette influence assez négative de cette pression de trouver un sens. Et c'est pour ça que j'ai fait le taxi. J'ai fait le taxi pour Central et Mombo pour chercher un peu à vivre. Et dans le taxi, j'essayais de proposer aussi mon produit en même temps. Donc pour justifier. Et il y a eu une des anecdotes où certains même m'ont volé les produits. Je ne portais que les femmes. Donc il y avait le nom du produit aller dans un supermarché et se faire humilier par un responsable des achats qui estime que votre produit est non conforme. Qui estime que, bon, comme vous avez trop bavardé, mettons-le pas à pitié, vous sentiez un regard de mépris. Bon, je peux les comprendre, j'avais trop osé. Donc, il y avait ce financement, on a faim, on a tout à la fois. Mais je pense que c'est... Je ne sais pas, à un moment, je crois que ça va aller. Aujourd'hui encore, Tanti doit combattre dur pour tenir sa place sur le marché camerounais de l'agroalimentaire. Un marché quasiment envahi par les multinationales qui ont des moyens bien plus importants et qui développent un marketing agressif jusque dans les supermarchés. Tous les rayons agroalimentaires dans les structures sont achetés par les multinationales. Tous les linéaires sont déjà achetés à hauteur de près de 250 000 francs par mois le mètre linéaire.
comme ils ont acheté des terrains partout pour pouvoir implanter, ils le font aussi dans les supermarchés. Et la raison est simple, c'est comment faire pour booster, pour enlever toutes ces PME qui sont en train de se chercher. Donald. Pour nous faire découvrir cette concurrence agressive que lui livrent les multinationales, Thierry Niamen nous amène alors visiter quelques rayons de supermarché. Il fait quoi sur ma zone? Il ne parle jamais chez lui. Il ne parle jamais chez lui. Je le respecte. Hein? Faut qu'il me respecte. Ça, voici ma zone. Hein. C'est juste parce que... Non, attends, ma banderole l'a traversé un peu. Comment se traverser un peu? Ouais, ça a traversé. Voici ma banderole, regarde, regarde. Mon chef, non? Oui. Il a donné à chacun son nombre de fessines. Tu vois un peu, non? Oui. Oui, et le tien s'arrête là. Le mien s'arrête là? Oui. J'ai essayé au moins au maximum de suivre l'alignement jusqu'en bas. Visiblement, vous allez voir que nous sommes malheureusement l'un des rares produits made in Cameroun à avoir cet espace. Le reste sont des multinationales. Mais petit à petit, on va prendre du temps. Moi, j'estime qu'il y a, on est pratiquement maxi à 10%. Mais nous ne pouvons pas prendre. Tout dépend aussi du taux de rotation de chaque produit. Parce que le responsable du magasin doit pouvoir vivre dans ses charges. Donc je ne suis pas, je n'ai pas le droit, je n'ai pas des directives ou des orientations à donner ici. Vous voulez orienter, vous payez à la caisse, on vous donne en tête de gondole et ça se paye et ça c'est normal. Mais pour une PME, sincèrement, pour être dans une tête de gondole, qu'on vous dise la vérité, nous ne sommes pas capables de le faire. Je n'aurais pas souhaité être le seul, j'aurais bien voulu que les autres Made in Cameroun se trouvent là-bas pour qu'ensemble nous menions cette bataille. Notre pays, c'est notre pays. Et vous voyez, c'est un supermarché très bien achalandé, appartenant à un Camerounais. Donc, il est aussi de savoir que les produits du Cameroun sont en train d'être mis en avant. Mais ça, ça a un coût. Ça a un coût. Et en cela, l'État peut jouer d'une façon ou d'une autre son rôle. Il existe ce qu'on appelle un patriotisme économique. Mais on ne viendra pas demander un produit extérieur et elle va aller cacher pour vendre le mien. Dans ce contexte, là, nous arrivons sur le dernier point. Qui me trouvait que. En plus, les jeunes haïtiens nous perdu. Nous perdu dans le point ça. Parce que M. Sonek, comme tu as dit, un patriote, un nationaliste, un monde qui croit dans le rêve africain. Et. Nous manquons de monde en Haïti. Nous manquons de monde. Ça m'intéresse pas beaucoup, c'est pas un objectif réel. Notre objectif, c'est comment voir dans quelle mesure nous allons apporter la satisfaction à nos clients. Leur dit, si après ça apporte des milliards, c'est bien, pourquoi pas seulement, peut-être pas seulement le milliard et aller au-delà du milliard. Les jets privés, ce n'est pas fait pour des animaux, c'est aussi fait pour des Africains et des Africains qui rêvent.